Amis du jour, bonjour et on se retrouve aujourd'hui, pas pour un tuto, mais juste pour une idée à partager. Les calendriers de l'Avent. Alors si moi je n'ai connu que les couronnes de l'Avent, c'est-à-dire une bougie chaque dimanche avant la Noël, le calendrier de l'Avent, lui, nous vient d'Allemagne. Et maintenant, tout le monde a son calendrier de l'Avent. C'est comme ça. Et moi j'aime bien faire nos petites traditions, les inventer. De toute façon, Noël, c'est une tradition qu'on a inventée. Faut pas rêver, les amis. Le Père Noël rouge, tout ça. On ne reviendra pas dessus. Vous le savez. Eh bien, si on le faisait, cette tradition. Alors, pour cela, comme toujours, le défi chaque année pour moi, c'est de vous faire du recyclage. Donc là, je prends quoi? Un sapin, bien sûr. Hein, alors, sapin synthétique. Moi, je suis pas pour aller tuer les arbres dans la nature. Je sais, mes enfants, ils aiment pas, mais c'est pas grave, on lâche pas l'affaire. Ça, c'est un sapin que j'avais acheté 2 euros aux Emmaüs. Il prend sa place, je mets des trucs dessus. Bref, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez faire celui qui est en bois, celui qui est en papier. Eh, je vous ai déjà mis des tutos, ça fait des années qu'on se fait des trucs de Noël, donc c'est pas le truc. Le principe, il va être simple. Mon sapin, il est nu au 1er décembre. Eh bien, chaque jour, je lui rajoutais un petit sujet, tout simplement. Petit sujet, soit que j'ai fait, soit que j'aime, bien sûr. Par exemple, je vais peut-être commencer le premier, mais ça, vous le verrez, par un sujet vintage que je placerai dessus. Et puis, pourquoi pas le lendemain, par un petit cœur, fabrication maison, tuto de l'année dernière. Et pourquoi pas un petit lutin. Alors ça, c'était il y a quelques années, je ne sais plus, il y a au moins 3 ans, un truc comme ça. Ah, il y avait ceux-là aussi, alors ceux-là, ils sont encore plus anciens. Les petits gnomes facétieux. Voilà, alors là, on est déjà 1, 2, 3, 4, 5 jours. 4 jours, 4 jours. C'est perturbé, c'est Noël, bientôt. Donc voilà, et pourquoi pas aussi le 6e jour. C'est ma fille qui apparaît. Youpi, parce que c'est bien d'avoir des petits trucs. Ça, donc, c'est encore des tutos de l'année passée. Le 7e jour, quand on habite à 7, mon Pierrot, zoup, 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 c'était un petit... Non, 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 non. Voilà, vous avez compris le principe. Donc, tout ça, bien sûr, tuto de Noël. Ah, tiens, on va finir par le dernier. Alors, ça, c'est un des plus anciens, peut-être, que je vous ai fait. Regardez, qui se conserve toujours très bien, avec des boules coco trouvées à la plage, un petit ruban et des petites perles. Vous avez les tutos, je n'y reviens pas. Voilà, donc vous avez compris, vous allez faire soit vos petites décos, soit en chercher que vous avez, et vous en mettez, et quand il n'y en a plus dans le récipient ou au pied du sapin, c'est que c'est Noël et que l'Éternel va passer. Qu'est-ce que vous pensez de mon idée, les amis? Hein? Je décore chaque jour mon petit sapin avec des choses soit que j'ai fait, soit que j'avais fait, soit que je vais faire. Et quand il est plein, le Père Noël arrive et les cadeaux sont là. Voilà, c'était l'idée d'une idée aujourd'hui pour vous. Mon sapin de l'Avent qui va se décorer tout au long de ces journées. Salut! Et de la santé, la magie de Noël. Pouce bleu.